Non, parce que je sais qu'il y a plein de trucs qui Ben sortent, justement, c'est pour ça, des bonbons un que peu si. c'est beaucoup n'importe quoi. Si tu veux, le pyramidon qui était sur la pyramide rouge de Dachau, il y a deux pyramides à Dachau, est tombé. Bon, et donc il est exposé par terre sur le flanc est de la pyramide rouge de Dachau. Simplement, on voit des tas de morceaux de ciment, etc. Enfin, ils ont recollé les morceaux très mal. Ça a été fait à l'époque du fameux là. D'accord. Et donc, on a l'impression d'avoir un truc faux, quoi, si tu veux. Mais c'est parce que ça a été très mal restauré, voilà. Mais voilà, c'est tout, quoi. Sinon, tu as des pyramidons extraordinaires, notamment celui d'Amenemhat III, qui se trouve, la pyramide noire de Dachour, qui se trouve au musée du Caire, qui est extraordinaire, qui est magnifique, avec tous les hiéroglyphes et tout. On me parlait aussi tout à l'heure, j'avais vu aussi une question sur, voilà, pourquoi la pointe des pyramides avait de l'électrum? Moi, je sais pas trop ce que c'est que l'électrum, mais tu peux nous en Bah, dire. l'électrum, c'est un mélange d'alliage, hein, entre l'or et enfin, l'argent, non, enfin, c'est autre chose. Il n'y a pas que l'électron, il y a plusieurs métaux. Bon, alors là, il y a plein de théories parce qu'on n'en sait rien. Enfin, moi, quand je ne sais pas, je le dis, tu vois, on n'en sait rien. Ça a plusieurs propriétés, mais c'est plus intéressant, enfin, je trouve, de parler du phénomène qui se passe quand tu es en haut de la Grande Pyramide. Quand tu es en haut, j'en ai parlé dans mes chroniques de Gizeh, j'ai tout expliqué. Il y a un très grand industriel allemand du 19e siècle, je ne sais plus son nom, enfin, tu vois, j'ai un problème avec les noms, qui est monté en haut de la Grande Pyramide, qui a pris une bouteille d'eau. À l'époque, on pouvait encore monter. Moi, je suis montée, mais j'avais 20 ans quand je suis montée, hein. Mais après, ça a été interdit, quoi. Il n'y a plus Oui, parce personne. qu'on peut monter en fait sur la C'est pyramide. très C'est dur, un c'est peu très long. dangereux quand Ah, même, mais non? attends, tu as des blocs comme ça, c'est très dur, très long, hein. Il faut vraiment être entraîné physiquement, tu vois. Bon. Donc, à l'époque, ils ne gênaient pas pour le faire, à l'époque de Napoléon III, tout ça. Bon. Et donc, le type, il est monté. C'est un très grand industriel, un nom très connu. Je ne sais plus. Il est monté. Il a pris une bouteille d'eau. Et je ne sais plus ce qu'il a fait exactement. J'explique toute l'expérience qu'il a fait dans mes chroniques de Gizeh. Et il a mis la main comme ça. Et il a attendu. Et il y a eu un éclair. C'est-à-dire, il y a un phénomène électrique. Mais quand j'en ai parlé avec un morceau de cuivre, si tu veux. Quand j'en ai parlé à des physiciens, etc., ici, ils m'ont dit, ben, tu vas sur n'importe quelle colline, tu fais la même chose, c'est la même chose. Donc, tu D'accord. vois. Donc, je ne sais pas. Mais à l'époque, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pyramides n'étaient pas du tout comme ça. Elles étaient couvertes d'albâtre. L'albâtre est un espèce de marbre translucide, donc qui reflète extraordinairement la lumière. Donc, tu devais être totalement ébloui si tu regardais les pyramides. Bah oui, avec tout le soleil qu'il y avait. Simplement, il ne faut pas oublier qu'à une époque, il y avait de la forêt, hein, autour. C'était pas le désert, tu vois. On a du mal à imaginer les pyramides dans une forêt luxuriante. Oui, c'est ça, c'est Tu ça. vois? Ouais. Puisqu'on a parlé d'univers tropical même, Oui, bien voilà. sûr. Ça, c'est avéré, hein, scientifiquement. Pas de problème. Alors aussi, c'est vrai qu'il y a une figure, la plus grande une grande figure de l'Égypte. On me dit, vous pensez quoi de Cléopâtre? Mais là, c'est de De l'histoire qui? de Cléopâtre. C'est de l'histoire extrêmement récente pour Oui, toi. alors c'est très récent, mais par contre, je m'intéresse à mes congénères femmes beaucoup. Je me suis quand même un peu penchée sur elle. Et surtout, j'ai voulu aller voir sa dernière résidence. Sa dernière résidence, c'est un endroit qui se trouve à peu près allez, 40 km à l'ouest d'Alexandrie, qui est une espèce de fort, qui était un ancien temple égyptien. Qui est très abîmé parce qu'il est sur un piton rocheux avec les embruns de mer toute la journée. Et c'est là où elle a habité ces dernières années. C'était une garnison romaine. Avant, c'était égyptien, c'était un temple. Et d'ailleurs, là, j'ai des photos hallucinantes sur mon réseau social parce que il y a des départs de souterrains que j'ai pu voir est hallucinant, quoi, que personne n'a vu, hein, à part les gens du coin. J'ai montré des photos. Et Cléopâtre a passé ses derniers instants-là. Pour moi, Cléopâtre, c'était une femme extraordinaire, parce qu'elle tenait à la fierté et à la dignité de son pays. Elle a été très malmenée par César. Elle a essayé d'être copine, on va dire, avec César, pour protéger son pays.
parce qu'elle avait très peur que son pays, il se passe des trucs horribles comme il s'est passé dans tout le Moyen-Orient par les Romains. Hein. Les Romains, ils ont Sûr. massacré, hein, pillé, massacré. Elle a réussi à maintenir la paix à tout prix parce qu'elle aimait son pays. Après, elle est tombée amoureuse, mais là, vraiment, d'Antoine. De Marc-Antoine, Marc-Antoine, qui lui a eu des problèmes monstrueux parce qu'il était peut-être un peu plus honnête que les autres. Et il s'est fait massacrer, on va dire le mot, quoi. Et alors, suicide ou pas, j'en sais rien. Ça, personne ne peut le dire aujourd'hui. Ou on l'a suicidée, ou elle, voilà, on n'en sait rien. Et on n'a toujours pas retrouvé sa tombe. Donc, il y a une archéologue égyptologue, je crois qu'elle est pas anglaise, je ne sais plus de quelle nationalité, une femme remarquable qui dit que c'est à cet endroit-là où elle est enterrée. Tu vois, on n'a pas trouvé, hein, mais il y a tellement à fouiller, tellement à fouiller. Bon, on attend de la trouver. Un jour ou l'autre, on va trouver la tombe de Cléopâtre, bien sûr. On n'a toujours pas trouvé. Alors on me demande, c'est vrai, petite question, qu'est-ce que tu penses du récentisme? Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette tendance qui nous explique qu'historiquement, l'histoire de l'humanité sera en fait beaucoup plus jeune et qu'il y aura eu une falsification de plusieurs centaines d'années. Je veux dire, à ton échelle, là, vu qu'on raisonne sur des Alors, 25 000 ans, j'ai envie de moi, ça dire. me fait rire, hein, parce que moi, j'ai vu de mes yeux vus des traces de choses tellement anciennes que non. Voilà, bon ben... Bah, je pense que ça, c'est un sujet de toute façon qu'on abordera plus tard. Non, mais c'est intéressant, faut tout voir. Hein. Alors, on me dit, étant donné que les anciens Égyptiens étaient de redoutables médecins, Gigal peut-être nous parler de la cavité secrète du cœur. Oui, Ah. merci pour cette question. C'est une très belle question. Alors d'abord, les anciens Égyptiens ne plaçaient pas enfin, les facultés du cerveau dans le cerveau. Ils les plaçaient dans le cœur. Ils disaient que la chose la plus importante, même intellectuellement, c'était le cœur. C'est-à-dire toutes les facultés de ressenti, d'intelligence. Bon, il faut comprendre aussi une chose, c'est que pour les très anciens Égyptiens, dans les anciens textes, c'était marqué quoi? C'était marqué qu'à l'origine, on n'avait pas les cinq sens. On en avait 365, un pour chaque jour de l'année. Dans les anciens textes, c'est Ah marqué. ouais. Eh oui, c'est marqué noir sur blanc. Donc tu vois un peu tout ce qu'on a perdu. Bon. Donc, ils étaient très attachés aux histoires, aux questions émotionnelles, de ressentis, de nuances. C'est pour ça que la langue égyptienne ancienne est remarquable, parce que elle est d'une finesse. Tu peux y exprimer toutes les moindres nuances. C'est pour ça qu'il y avait énormément de respect, qu'il y avait un échange très profond sur chaque chose. Je te parle de l'origine, hein, évidemment, parce qu'après. Bon. Et donc, pour eux, toutes les facultés, c'est-à-dire ce que tu emmenais au ciel avec toi, c'était ton cœur. C'était ton cerveau servait à rien. Enfin, oui, c'est pas qu'il servait à rien. On savait bien qu'il était le moteur de nos gestes, etc. Mais pour eux, le plus important, c'était le cœur. Et dans le cœur, il y avait effectivement une cavité secrète, mais il n'y a pas que les anciens Égyptiens qui disent ça. Il y a aussi beaucoup de tribus amazoniennes en Amérique du Sud, beaucoup de tribus indiennes aussi en Amérique du Nord, et certainement dans les Védas aussi, je ne me rappelle plus, mais qui disent que cavité secrète dans le cœur, dans laquelle d'ailleurs on peut se réfugier si on veut, il faut y aller en méditation, non? Et que cette cavité, c'est là où il y a l'étincelle de vie, la véritable, c'est-à-dire que la personne qui meurt, c'est parce que cet endroit-là est touché, si tu veux. Bon, tu le touches par des émotions ou par un truc physique, hein, bon, parce que c'est quand même un endroit physique. Tu vois? Et il y a des textes qui parlent beaucoup de cette cavité. Et d'ailleurs, si tu parles avec des Intéressant. chirurgiens du Ouais. cœur, ils vont te dire qu'il y a un endroit dans le cœur qu'il faut surtout pas toucher avec son instrument chirurgical, parce que là, la personne meurt tout de suite. Donc tu vois, c'est intéressant. Ça, je savais pas du tout. Bah, je découvre Et aussi. les anciens Égyptiens disaient que la seule richesse qui est importante pour l'être humain en vie, c'est de savoir que lorsqu'il meurt, la seule chose qu'il va emporter avec lui et qui est le plus important pour lui dans l'autre monde, c'est ses connaissances. Pas le blabla, et les vrais, ce qu'il a appris dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il poussait
beaucoup les jeunes à lire énormément, à apprendre beaucoup des anciens, etc. Parce que c'est la connaissance que tu apprends, tes expériences aussi, que c'est les seules choses que tu vas amener dans l'autre monde. Est-il vrai qu'il faisait aussi, que justement aux jeunes, il était proposé un parcours où on faisait le tour des temples avec une éducation spirituelle en fait? Oui, ça faisait partie, si tu veux, il y avait tout un système à une certaine époque, parce qu'après ça a pu exister, mais à une certaine époque, tout le monde devait passer par un service au temple. Tout le monde devenait un prêtre pendant un certain temps au temple. Bon, il y avait des prêtres permanents qui avaient la vocation pour tout aller, mais tout le monde devait passer par le temple. Alors les garçons avaient une certaine éducation, les filles une autre, mais il y avait tout un... Voilà. Et à un moment donné, c'est pas les prêtres quand même qu'on un peu Alors conservé le pouvoir contre le peuple. ça, si tu veux, c'est la dégénérescence qui existe partout, qu'on voit ici en politique, ailleurs, malheureusement, avec le temps. Moi, je te parle du temps d'or, on va dire. Mais bien sûr qu'après, dans les dynasties suivantes, il y a eu des choses terribles. Il y a eu des prêtres qui s'accaparaient tout, il y en a eu d'autres qui ont même tué. Il y a tout, quoi, comme l'être humain, il est capable, hélas, de faire. Mais je veux dire, à l'origine, non. Alors, je regarde aussi, attends, qu'est-ce qu'on me dit encore? Est-ce que Antoine a vu le documentaire L'œil d'Horus, l'école des mystères? Qu'en pense-t-elle? Si oui, qu'en Alors, pense-t-elle? c'est lequel? Parce que le problème, c'est que moi, je vois beaucoup de trucs en anglais. Donc, c'est quoi? C'est... L'œil d'Horus, l'école des mystères, je Oui, sais pas. mais c'est qui l'a fait, Ah bah ça, toi? je sais pas, il précise pas. Hein. Voilà. Geoff, faut donner plus d'indications Ouais, si tu parce veux que qu'on réponde. je peux pas dire. Il y en a tellement. Alors, qu'est-ce que... Voilà, on me dit, a-t-elle étudié le site du temple de l'oracle d'Amon, oasis de Baharia? Si oui, peut-elle Oui. nous en parler? Alors, tu Alors, disais que c'était pas exactement c'est ça. pas dans Baharia, c'est à Siwa, Voilà. le temple d'Amon, c'est là où Alexandre le Grand est venu, Napoléon aussi d'ailleurs. Bizarre ça, ouais, c'est pourquoi ils sont venus là tous les deux. Ah bah il cherche quelque chose. Chose, hein, probablement, ouais, c'est ça. Quelque chose que je cherche aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Alors, moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est aller à l'oasis de Siwa. C'est une merveille. Ce temple est au sommet d'une colline. Vous avez une vue extraordinaire. Il y a un bon hôtel en bas, très sympa. Je veux dire, c'est une merveille, quoi. C'est absolument une merveille. Oui, bien sûr que je connais Siwa. Et aussi autre question, parce que là on arrive à la fin, on a débordé largement, ça fera plaisir au moins à ceux qui voulaient déborder, mais pourquoi les civilisations, on va dire à travers le monde, cherchent toutes à, on va dire, à marquer une espèce de filiation avec la culture égyptienne au travers des monuments érigés, on voit des obélisques fleurir ou des pyramides. Alors bon, évidemment, on va parler de l'influence franc-maçonnique, mais hors de là, c'est quoi cette filiation? Non, bah justement, c'est, si tu veux, ça date aussi de l'époque. Enfin, tout a été récupéré, quoi. Toute la philosophie égyptienne, mais détournée, récupérée. Tu sais, aujourd'hui, tu as un groupe qui se bat en Irak, etc., qui s'appelle ISIS. Oui. Tu vois? Donc, c'est la dégénérescence et, je dirais, la diabolisation. Hein, parce qu'il n'y a rien de mieux, tu colles un nom aussi sacré et pur que Isis, enfin, ça ne se prononçait pas comme ça, heureusement, dans l'ancien temps, mais tu l'appelles comme ça et sur un truc diabolique, quoi. Comme ça, après, dans la mémoire, il reste le truc diabolique et pas le truc positif. Tu vois. Ça fait partie du détournement. On essaye de diaboliser les choses bien, comme ça, on fait un chaos dans la tête des gens, quoi, tu vois. Ça reste tabou quand même, cette histoire égyptienne. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Non, Parce que c'est... c'est récupération de mystères pour en faire des faux mystères pour mieux récupérer les gens, quoi. Tu vois, mais c'est pas nouveau dans l'histoire du monde. Tu vois, tu as eu des groupes zoroastriens, tu as eu des Oui, bien groupes, sûr, tu oui. sais, qui ont été récupérés, tu as eu des groupes partout. Voilà. Tu vois. Alors le culte Le solaire. culte solaire, Ça a été détourné aussi, le culte solaire. Il n'y a pas de mal à avoir un culte solaire. Le problème, c'est qu'après, c'est devenu mal parce que ça a été détourné sur d'autres choses. Tu vois, c'est le détournement, quoi. Comme on peut dire qu'une certaine, je dis bien une certaine, parce que sinon je vais me faire massacrer, qu'une certaine église détourne les principes du Christ, si tu veux, de Jésus, quoi. Je veux dire, voilà.
en n'aidant pas les pauvres, en faisant pas des choses pures, etc. Bon, ça existe partout. Alors, je crois qu'on nous a trouvé le nom, c'est Fernando Malcoun. Non, je connais pas. Ah, voilà. Bon, c'était le Ah, il y a quand même des choses documentaire. que je connais pas. Là. C'est que j'ai pas beaucoup d'internet qui fonctionne bien en Égypte quand je suis en Égypte. Donc je peux pas les vidéos, je peux pas beaucoup les voir. Parce que je vais dans des coins pas possibles. Alors, on me dit. Alors, ça, c'est vrai, c'est une question que j'ai envie de te poser. Tu vas me dire tout de suite ce que tu en penses ou si c'est un gros hoax. Est-ce que les élites actuelles, mais aussi les élites anciennes, hein, les anciennes dynasties, on va dire, européennes, en particulier la famille royale d'Angleterre, descendent-elles vraiment des pharaons égyptiens, comme on nous l'a suggéré? En tout cas, la filiation qu'ils exercent, puisqu'ils reprennent des symboliques Alors, égyptiennes, mais bon, sûrement c'est... pas, et même le contraire, Ouais. parce que par contre, il y a une filiation entre des femmes qui ont épousé des pharaons égyptiens, qui étaient des femmes celtes, et pas anglo-saxonnes. Tu as Birgit, pour dire exactement, d'Écosse, qui a épousé les princes de Ramsès II, etc. Il y a eu des filiations entre les Celtes et les pharaons, oui, mais les Celtes, c'est le contraire des anglo-saxons, si tu veux. D'accord. Donc toi, tu vois pas, en tout cas, de Absolument filiation entre pas. l'Égypte et les dynasties Non, européennes, comme pas. on nous le Non, non. suggère. Non, par contre, des filiations, je te Oui. dis, avec les Celtes, c'est possible, mais D'accord. en petite partie, quoi, tu vois. Voilà. Est-ce que aussi tu as entendu parler, évidemment, Parce de que cette tu as théorie? le port de La Coruña en Espagne, qui Ouais. était un centre celte, où il y avait beaucoup d'échanges avec les Égyptiens, faut le savoir. D'accord. Est-ce que tu as entendu parler, c'est vrai, cette théorie sur les géants? Oui, alors les géants, écoute, les anciens Égyptiens en parlent dans les textes arabes dont j'ai parlé tout à l'heure. On en parle, les premiers habitants d'Alexandrie, quand ils ont fondé Alexandrie, ça remonte à très loin, puisque c'est avant la première dynastie, hein, dans les textes arabes, Donc bien avant Alexandre, alors copiés sur. Alexandrie, c'est ça? Mais bien sûr, En Alexandrie. fait, il a fait reprendre un site et il a donné son nom, c'est... Voilà, D'accord. mais si tu veux, enfin, d'après les textes dont je t'ai parlé tout à l'heure, il y avait les premiers Égyptiens se battaient contre des géants qui étaient très méchants et tout, et D'accord. qui ont voulu empêcher la construction d'Alexandrie, par exemple. Bon, on raconte ça dans le texte de Massoudi, tu vois. Alors, pourquoi les anciens géants ont existé, etc. Moi, je dis toujours que on n'en sait rien, mais avant d'abord les géants, on en parle dans la Bible, on en parle Oui, on en partout, parle enfin, partout, bien sûr, dans il y a pas toutes mal de sources les là-dessus, en fait, civilisations du monde, on oui. parle des géants. Moi, je dis pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas eu, dans un temps précédent au déluge, il y en a eu plusieurs de gros déluges, hein, je sais plus, 5 ou 4, je ne sais plus, bon, géologiquement, on le sait. Je veux dire, il y a eu, à une époque, peut-être une densité et une gravité différentes sur Terre qui fait que les gens étaient grands et forts, quoi, tu vois. Et puis après, on est devenu de plus en plus petit, voilà, c'est tout. Et on en parle beaucoup, même dans les livres sacrés. On parle de Oui, géants dans la Bible, dans le Coran, etc. partout. Moi, ça me gêne pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites, Comme les Julien? gens qui ont vécu 300 ans et plus, bah, il y en a plein dans la Bible, pourquoi on se choque de ce que... Si on en trouve un aujourd'hui, tu vois, ailleurs, quoi. On me dit, Min Ptah est-il le pharaon de l'Exode parce qu'il a l'air intact comme dans le Coran? Min Ptah. Ça te dit quelque chose? Alors, le problème, c'est que c'est mal écrit. Ouais, c'est peut-être ça, l'orthographe, voilà. Je peux pas Tu répondre peux... parce que c'est pas clair pour moi. D'accord. Tu veux dire Menepta? Ah, je sais pas, c'est pas moi qui dis, c'est moi qui dis ça. Moi 6. Ah non, alors, par contre, c'est Ramsès II qu'on a retrouvé intact. Ah, Rapsès 2, on l'a retrouvé Aussi, en tout intact. cas, lui, on l'a retrouvé intact. Oui, tu sais, bon, le passage de la mer Rouge, machin, tout ça. Bon, Menemta, oui, il me semble que c'est vrai qu'on l'a retrouvé intact. Je ne sais D'accord. pas expliquer ça. Et je te dis, ce n'est pas ma période de recherche, donc je ne peux pas répondre. D'accord. On me dit, que pense-t-elle de la chambre des connaissances qui se trouverait sous une des grandes pyramides découverte par le KGB mais qui n'a jamais été visitée? C'est vrai qu'il y a un reportage sur les archives du KGB Ouais. qui indique ça, mais... Bon, alors là, c'est Non. archive. Non, mais cette fameuse bibliothèque qui aurait Ouais, les non, mais alors secrets... ça a commencé avec l'Américain, comment il s'appelle J'explique tout dans les chroniques de Giza, je suis Ouais. désolée d'insister, c'est parce que ça m'évite de réexpliquer à Ouais. chaque fois. Les archives, la connaissance, machin, il y a eu le. Ça a commencé avec les Américains. Le grand voyant américain, comment j'oublie son nom, j'ai un problème avec les noms.
Bon, écoute, on n'en a pas trouvé trace. Moi, j'ai écrit un article sur mon site Gigalog Search. Vous allez dans Publications, vous trouvez au moins deux ou trois articles sur le Sphinx où j'ai écrit des choses qui n'y a nulle part ailleurs. Et j'ai bien visité l'intérieur, j'ai eu accès à tout, si tu veux. Donc oui, il y a des pièces qui ne sont pas répertoriées, mais j'ai vu, il n'y avait rien. Bon, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu quelque chose avant, mais c'est tout petit, je ne vois pas comment. Bon, maintenant il y a des souterrains, que ça on ne sait pas, c'est autre chose. Mais les archives de la connaissance, sous la patte gauche du Sphinx, etc., etc., non. Non, non, non. Au moins les choses sont Parce que la claires. connaissance pour les anciens Égyptiens, elle a été inscrite dans la pierre et dans la bonne connaissance entre les rapports de la pierre et des distances et des planètes, etc. Et ça, c'est dans mon rapport avec mon l'Égyptien shérif El Morsi que j'ai travaillé avec, qui est sur mon site aussi. Voilà. On me dit un petit mot sur Livre des Morts, on en a déjà parlé, mon cher Caf Marron, Ouais. ça se répète les questions. Zakef, y a-t-il un lien entre la civilisation égyptienne et berbère en Afrique du Nord? Oui. Ah oui, Oui. tu confirmes ce Ah lien-là. oui, complètement, parce que je te dis de l'Atlas à Bah l'Égypte, oui, il y a des tunnels. voilà. Donc tu confirmes aussi, alors lien avec les berbères évidemment, mais aussi vers le sud, lien avec l'Afrique noire. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on dit que le culte Alors, d'Isis, on le retrouve jusqu'au cœur de l'Afrique noire. bien sûr, bon, bah, c'est pas le cher Diallo qui va me. Ah, c'est certainement Ça, c'est pas. encore autre chose. Mais alors, moi, mes recherches sont sur le Congo, parce que c'est là où je suis née, Oui. hein. J'ai retrouvé que des noms égyptiens, anciens égyptiens, sur tout le parcours du fleuve Congo. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le Congo et le Nil, il n'y a pas que moi qui le dis depuis longtemps, mais pour moi, c'est le même fleuve. À voir. Ça va D'accord. sous le lac Victoria, ils Oui. se réunissent, je suis Oui. d'accord, mais c'est le même fleuve. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé plein de noms anciens du Congo qui sont des noms 100% égyptiens. Et les noms des princes s'appelaient les Manès, comme le Manès égyptien, etc., etc., au Congo. Et puis dans toutes les légendes justement orales et la tradition orale de ces régions-là, on C'était le parle de même cette pays. filiation Mais bien égyptienne. sûr, Donc l'Égypte était partout, mais tu trouves aussi la même chose en Europe de l'Est, figure-toi. D'accord. Je suis avec une amie aussi qui travaille qu'on retrouve aussi 45% des mots égyptiens en Moldavie, figure-toi. Anciens. D'accord. Donc, ils ont été partout. Voilà, on aura appris beaucoup, beaucoup de choses ce soir, mais vraiment beaucoup de choses. C'est vrai, ouais. On me dit, est-ce qu'Antoine a un avis sur les causes de la mort de Toutankhamon? C'est vrai, la fameuse Alors, la malédiction. Toutankhamon, si c'est pourquoi, je ne sais pas, je vais te dire, c'est très clair. Parce que c'est vrai qu'il a les os fracturés parce qu'il est tombé d'un char sur lequel il avait déjà une maladie de naissance. Hein. Il Il boitait. boitait, Il visiblement, voilà. boitait, il avait un gros problème. Mais en plus, c'est vrai qu'il a eu son accident de char qui s'est fracassé plusieurs choses. Mais le problème aussi, c'est que à l'époque, ils l'ont trimballé son corps, une fois mort, hein, je veux dire. Je parle des archéologues, là. Ah oui. Quand ils ont découvert ça, ils en ont. Enfin, ça m'étonnerait pas. Ça a été dit d'ailleurs que, comme ils l'ont examiné un peu n'importe comment, qu'ils en aient recassé un peu plus, tu vois. D'accord. Donc la cause de la mort, La fameuse malédiction, hein. ah ben ça c'est après, c'est Ça. quand il est mort, on dit qu'il y a une malédiction sur les gens qui sont allés dans le tombeau. C'est vrai qu'ils Voilà. sont tous morts. Mais bon, tu sais, les histoires de malédiction, pourtant, ça existe. Parce que je ne peux pas dire que non, parce que j'en ai connu des histoires. Parce que si tu veux, dans les anciens textes, c'est écrit que quand tu vas dans une tombe, mais ça se fait dans toutes les religions du monde, il faut que tu fasses certaines prières pour éviter d'attirer les mauvais esprits. Bon. Et ben, devant chaque tombe ancienne égyptienne, tu as des hiéroglyphes qui mettent la prière. Alors, il faut que tu lises la Et toi, prière. tu respectes ça, ce rite-là, Alors, quand tu dois écoute, visiter une tombe? moi, je suis un peu, comment on appelle ça, oh, je ne sais plus le mot, superstitieuse. Voilà, je Ouais. m'en fous, je le dis, je suis un peu superstitieuse. Et quand il y a une tradition comme ça, très ancienne et vraiment appuyée, et comme je connais que les anciens Égyptiens ne racontaient pas n'importe quoi, ben je le fais. Tu vois, voilà.
En plus, j'aime pas aller dans les tombes, j'aime pas, j'évite, hein, le plus, c'est pas mon truc, moi. Ce que j'aime, moi, c'est trouver les tombes, des trucs, tu vois, ou des routes, ou des canaux, ou des choses anciennes. Mais moi, les tombes, c'est pas mon truc. J'aime pas y aller. Ok, tu trouves des choses magnifiques dedans, mais j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Et la vallée des rois, tu me confirmes que c'est pareil, des endroits qui ont été creusés à même la montagne, Bah oui, etc. Qui bah sont... oui. Parce que Mais c'est ça, tous pareil, on les ne gens. sait pas l'expliquer, ça. Non, Mais ça, tous les gens qui vont le voir. Faut que oui. tu viennes un jour. Ah ben, Je c'est mon rêve. C'est mon rêve. Mais ta tour égyptienne, pourquoi Allez, pas? on fait un voyage. Pourquoi pas? Bah, Stéphane, salut, Plaza. Mais ta tour en Égypte. On fait un voyage te pas, hein? Ah non, bah non, mais ta tour en Égypte, ça, c'est vrai que ce serait excellent. On fait un voyage te pas. Allez. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire merci beaucoup, Antoine, Moi, je vraiment, te remercie. Je te merci. Je pense remercie. qu'on te reverra parce que là, unanimement, on me dit déjà, reviens quand? Quand est-ce que vous prévoyez une émission? Ben, on va prévoir ça, on vous promet, tu es la bienvenue ici, on pourra Ouais, bah refaire je te des remercie beaucoup. émissions parce que je pense que ben, le public, Ça là, fait plaisir parce le... que c'est quand même beaucoup de combats, de travail, de... Voilà. Il faut pas oublier que j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes collègues anglo-saxons quand je faisais des conférences à l'étranger, par exemple en Afrique du Sud, devant Ouais. l'université, 800 personnes. Ils ont essayé de casser ma conférence, de Ah prendre ma ouais. place, casser mon ordinateur. Ils ont tout fait, pas me prévenir de l'heure de la conférence pour que je rate ma conférence. J'ai eu de la part de ça. Alors, je ne sais pas si c'est du misogynisme. En tout cas, oui, il y a eu du misogynisme, mais aussi contre le Oh, la français, France, la ouais, France. voilà. Eh ben, Très Cocorico, on sera avec gravement. toi, Très gravement. ouais. J'ai eu les pires histoires. On m'a même. Je devais avoir des radios prévues en Afrique du Sud pour prévenir de ma conférence. Je venais avec Hancock, qui était un homme, qui est un homme très connu, que j'adore, qui me connaît très bien. Enfin, je connais tout le monde dans ce milieu. Mais tous les autres, C'est c'était comme au 19e horrible. siècle finalement, Ah, puisque mais c'est il y avait une pire. concurrence, on sait, entre français et anglais, les Ah non, Français. mais Mais. là, c'est pire. Je Ah crois le fait si. que je sois une fille, en plus, ça Ah, les ça les énerve encore horripile. plus. Ouais. Ça les horripile. Et pourtant, j'ai des tonnes d'interviews en anglais, en Amérique et ailleurs. Figure-toi que même Hollywood a voulu me faire une télé-réalité. Figure-toi la grande blonde au fin fond de l'Égypte, Non, chez les barbares. carrément. Oui, je te jure, j'ai eu droit à tout. Bon, mais ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'on a essayé de m'enlever des interviews sur des radios importantes en Afrique du Sud, tout ça, parce que je gênais un Américain et un Anglais très fort, tu vois. D'accord. Eh bien écoute, Cocorico, en tout cas on est tous avec toi. Oh là là, il y a des tonnes de messages de merci. En tout cas, voilà, donc je vous dis au revoir à tous. Ah oui, GG, Crasor, Valigomou, Alixator, Bezeda, Charty, Bezia, Summertime, Odile, Séphile, Escro, Decamed, Sax, Gendru, Eurasien, QSR, Dialanqué, Smoky Zebra. Eh bien merci Et à je vous. remercie aussi beaucoup Hein? tous les gens qui me suivent sur les Ah réseaux bah là tu vas sociaux, en trouver d'autres je pense parce tous les que copains, tous les gens, contenu de tous parce les mots que... de merci que je Alors, vois et qu'on me dit bravo, merci, c'était j'ai super déjà intéressant. plus de 5 000 Voilà. personnes, mais ils peuvent se mettre en abonné parce que je mets tout en public, moi. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Eh ben, je pense que tu vois, il y en aura beaucoup en tout cas qui vont s'abonner, qui vont venir. Voilà, on me dit merci, merci. En tout cas, voilà, tu vois, il y a des tonnes et des tonnes de merci. Ça Et fait plaisir. voilà, on me dit père Fidel Bion, effectivement, pour les Anglais. Donc on te fait un gros cocorico, en tout cas nous, on te Et à soutient. chaque fois, je parle de Voilà. Napoléon, rien que pour lui leur casser les pieds. Eh ben, tu fais bien. Tu fais bien. On remercie la régie, à Steph, on remercie tous les autres qui sont dans les studios de l'autre côté. Hein. Il y a Thibaut, il y a Mika, il y a tout le monde. Merci à vous tous, évidemment. Bah voilà, soirée, on a beaucoup voyagé. On va encore voyager puisque il y a Jacques Grimaud qui revient la semaine prochaine. Donc on va encore reparler Égypte. Je pense que de toute façon, ça vous embête pas qu'il y ait une deuxième émission encore là-dessus. En tout cas, on me dit oui, Antoine a placé la barre haut. Grimaud doit avoir l'octrat. Tu vois, je vais même pas parler. Wow, c'est un excellent mathématicien, Clément, c'est Eh fou. ben, on en reparlera avec lui. En tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Demain, on se retrouve avec la Razia. Et en attendant, vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, à demain!